vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo et avec un fond sans dessus dessous, je sais pas si ça se verra, mais en tout cas ça veut dire que je suis là pour une motivation ménage, une vidéo clean with me. Je sais que vous adorez ce genre de vidéo sur cette chaîne, donc je suis trop contente de filmer aujourd'hui, sachant que j'ai énormément de ménage à faire. Vous allez pas être déçus. Cette vidéo aura juste pour but de vous motiver. Je sais qu'il y a plein de gens qui regardent des vidéos de ménage en faisant du ménage, donc si je peux contribuer à votre motivation, c'est avec plaisir. Je me suis munie de mon petit panier que j'ai trouvé chez BM. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo de la semaine dernière. Et à l'intérieur, j'ai tous mes produits Everdrop, tous mes produits ménage, parce que tout ce qui est au niveau buanderie, lessive, tout ça, c'est dans ma salle de bain. Aussi, j'ai des paniers dans ma salle de bain du haut, dans ma salle de bain du bas, dans les toilettes du haut, dans les toilettes du bas, où je mets plusieurs produits pour jamais avoir à courir partout dans la maison. Et je trouve que c'est plus pratique et comme ça on fait les choses beaucoup plus facilement. Comme ça aussi tout le monde peut mettre la main à la pâte dans la maison quand c'est un peu sale, hop, chacun nettoie. Mais là en tout cas je me balade avec mes petits produits et Everdrop c'est vraiment mon partenaire ménage. Vous savez que je suis en collaboration avec eux depuis un long moment. Mais ces produits sont vraiment des petites pépites. Franchement, si je continue à les utiliser au bout d'un an, c'est que vraiment j'en suis satisfaite. Et mon produit chouchou, mon produit phare que vraiment je peux pas me passer, c'est le nettoyant multi-usage. Parce qu'en fait, je sais qu'au niveau des enfants, ça craint rien. Au niveau de la maison, de la pollution de la maison, ça craint rien non plus. C'est des produits qui sont sains, en plus écologiques, économiques. Ça marche avec un système de recharge. Donc vraiment, je suis vraiment trop contente d'avoir plein de produits de leur gamme. J'en suis vraiment très satisfaite. Donc je vais pas perdre de temps à blablater parce que j'ai vraiment énormément de ménage à faire. J'aimerais bien ne pas y passer tout mon dimanche, ça serait cool, sachant que quand on filme on perd deux fois plus de temps en fait pour voilà changer un peu le cadrage etc, pour pas que ce soit lassant pour vous et pour que ce soit un peu plus dynamique. Donc je m'y mets dès maintenant et je vais commencer par ma salle de bain qui en a vraiment besoin. Évidemment la règle de base c'est pas de ménage sans musique, donc on met sa meilleure playlist et on se motive. J'ai commencé par la salle de bain et qui j'ai vu débarquer deux secondes après faire des travaux? Mon mari et mon fils, donc c'était trop mignon, mais du coup j'ai pas pu tout faire ce que je voulais. Bref, c'est pas grave, donc j'ai commencé par les toilettes et j'ai commencé par mettre le gel WC. C'est un gel qui vient de chez Everdrop que vous avez juste à reconstituer avec de la poudre et de l'eau. Il est formulé avec des probiotiques qui continuent d'agir après le nettoyage et qui laissent vos toilettes propres plus longtemps. Pendant que le gel il agit, j'en profite pour nettoyer mon sèche-serviette. Et regardez comment c'est trop mignon, franchement je laisse ces petites images parce que je trouve que ce petit moment de complicité entre père et fils c'est trop trop chou. Mon fils il est toujours là pour nous aider, c'est trop mignon. Bref, ensuite je passe juste un petit coup d'eau dans la baignoire. La baignoire franchement elle est là pour faire beau, je vous avoue. On a mis une baignoire parce que quand les enfants ils étaient tout petits c'était beaucoup plus pratique de les mettre dans le bain. Mais une fois qu'ils ont grandi voilà on prend tous des douches. Et en plus on a un chauffe-eau de 200 litres. Donc en fait pour 4 c'est juste, et dès qu'on tire un bain, bah en fait le dernier il a plus d'eau chaude pour se laver. Donc la douche c'est voilà, c'est plus économique. Ensuite je suis venue nettoyer ma paroi de douche. Donc mon arme fatale vraiment pour ne pas avoir à me prendre la tête, à frotter et tout ça, c'est que je mets du gel à WC surpuissant. En fait, vous savez, les gels qui sont généralement noirs et tout ça, hyper puissants. Et bah voilà, j'en mets un peu. Je me suis un peu lâchée là, j'avoue, j'en ai mis un peu beaucoup sur la paroi. Sinon j'en mets un peu et voilà, vous avez juste à frotter légèrement et il y a tout le calcaire qui s'en va. Franchement, cette astuce, elle est magique. J'avoue, c'est pas tip top d'utiliser ce genre de produit, mais c'est magique. Ensuite, je viens rincer à grande eau et après, il n'y a quasiment plus rien. Et puis, je viens essuyer avec un chiffon. Je nettoie de l'autre côté avec du produit à vitre et la microfibre exprès pour les vitres de chez Everdrop et qui normalement ne nécessite même pas de produit à vitre, mais moi j'avoue j'ai trop l'habitude, j'en mets partout. Je viens nettoyer et après c'est nickel, cette microfibre elle est mais juste
top de chez top, je vous la recommande à 1000%, moi perso je l'adore. Et la dernière touche qui va venir parfaire votre nettoyage, c'est de mettre du liquide de rinçage. Ça coûte que dalle, moi j'ai pris la marque Lidl, vraiment un truc pas cher. Et vous en mettez sur la paroi intérieure, ça permettra à ce que l'eau glisse et ruisselle sur votre paroi de douche et d'éviter toute trace. Je retourne ensuite à mes toilettes pour bien les nettoyer. Voilà, le produit il a agi et vous voyez, il n'y a plus rien sur les côtés. Tout ça, ça retire vraiment bien le calcaire. Et je viens ensuite prendre mes lingettes pour nettoyer tout le tour. D'ailleurs, celles-ci, je les aime bien parce que vous voyez, on peut les fermer. Il y a le truc en plastique au-dessus pour refermer. Alors que quand c'est juste un autocollant, généralement, ça s'ouvre. Et au bout de quelques semaines, vos lingettes, elles sont toutes sèches. Donc moi, maintenant, tant pis, je paye un peu plus cher, mais j'achète que des paquets comme ça. Au moins, je suis sûre que mes lingettes, elles restent toujours bien humides. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, dans les commentaires, on m'a donné une astuce pour les lingettes. Et j'avoue, j'y avais même pas pensé, alors que c'est un truc tout con. C'est de toujours ranger votre paquet de lingettes à l'envers pour que justement le collant il soit toujours collé et que les lingettes soient toujours bien imbibées. Et en fait, c'est un truc bête, mais qu'on ne pense pas forcément. Donc maintenant, j'essaye de faire gaffe et de vraiment ranger mes lingettes à l'envers. Ensuite, je viens de mettre ma petite pastille d'acide citrique. Donc ça, c'est vraiment aussi pour parfaire le nettoyage. Vous la laissez agir tranquillement. Et comme le gel, elles sont riches en probiotiques. Et en plus, elles sont efficaces sur le tartre urinaire. Donc c'est top parce que moi, c'est un souci chez moi qui revient assez souvent. Puis que je les utilise vraiment toutes les semaines, j'ai plus ce souci. Ensuite, je viens mettre le produit à salle de bain dans toute la douche. Et toujours avec mes petits acolytes à côté qui sont en train de bosser aussi. Mon chéri, en fait, il finit toutes les petites finitions de la maison. Parce qu'en fait, on en a pas mal à droite à gauche. Après, on s'en rend même plus compte. Mais en fait, quand on fait une liste, on voit qu'il y a encore pas mal de petites choses à faire. Et ben là, je viens frotter chaque carreau avec ma brosse. Et le produit, franchement, je déteste faire ça. Nettoyer la douche. Oh là là, comment j'aime pas cette tâche. Je trouve que c'est long, c'est pas pratique. Ces carreaux au sol, ils me gonflent. Je vous avoue que le jour où j'ai une autre salle de bain, mais plus jamais je prends des petits carreaux comme ça. C'est beaucoup trop contraignant. Après, ça fait des jolies douches, hein, l'italienne, tout ça. Mais franchement, au niveau de l'entretien, c'est vraiment pas top. Comme d'hab, au niveau de la robinetterie, j'essuie bien avec mon chiffon sec pour que ça laisse aucune trace d'eau. Vu que mon chéri était en train de bosser, j'ai pas pu faire tout ce qui est lavabo, robinet, tout ça, donc c'est pas grave. Je l'ai fait plus tard dans la journée, mais je voulais pas filmer. Donc je suis passée directement dans ma chambre, et dans ma chambre, franchement, j'avais 2-3 trucs à ranger, c'était surtout les poussières et tout ça. Et j'ai même pas passé l'aspi, parce qu'en fait, mon fils, après, il voulait passer l'aspi à tout l'étage, donc je l'ai laissé faire. Ma chambre, c'est un endroit où le bazar il s'accumule facilement parce que j'ai trop tendance à poser les choses et à pas prendre le temps de les ranger derrière. Donc là, j'ai envie de vraiment tous les jours passer, mais je le faisais avant en plus, mais repasser 5 minutes dans chaque pièce pour vraiment remettre en ordre. Là, j'avoue qu'avec les vacances, toutes les règles et tout, on a un peu mis en stand-by. Et là, il faut vraiment que je reprenne les bases pour pas avoir à tout me coller le week-end. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais vraiment reprendre 5 minutes, hop, faire le petit tour des pièces, ranger au matin et tout ça. Et comme ça, c'est beaucoup plus agréable, même quand on rentre dans une pièce et tout. Et c'est un peu le secret aussi pour avoir une maison ordonnée. C'est de pas laisser
laisser poser comme ça et de prendre vraiment quelques minutes par jour pour ranger, même derrière soi quand on a terminé, bah, au lieu de poser. Voilà, c'est des actions qui prennent vraiment pas longtemps et qui sont super importantes à faire. Bon là j'ai un grand qui est parti à l'école et j'ai deux couchettes, donc j'en ai gardé une pour mon plus grand de cette année et j'ai rangé la deuxième sous mon lit. Et là c'est un petit coin de ma chambre où va falloir que je m'y attelle. D'ailleurs depuis que j'ai tourné cette vidéo et là quand je vous fais la voix off, j'ai déjà rangé une boîte. Mais il faut vraiment que je m'occupe de ce coin parce qu'il me sort des yeux. On a toujours un petit endroit comme ça où on accumule des bêtises et là c'est le cas pour moi. Donc ma chambre est toute nickel, toute rangée, donc je suis contente et maintenant je passe au bas de la maison, c'est-à-dire mon salon. D'ailleurs je vous ai pas précisé mais quand j'ai fait cette vidéo c'était exactement la veille de la rentrée scolaire, donc dimanche dernier. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je fonctionne avec un planning de ménage, c'est-à-dire que le lundi je fais cette pièce, mardi cette pièce, mercredi une autre tâche, etc. Sauf qu'avec les vacances, on a tout lâché. Franchement, pour moi, les vacances, il n'y a plus de règles et tout ça. On fait au feeling, on profite. Voilà, moi, mon mot d'ordre des vacances, c'est on profite, on lâche. Là, j'avais pas repris encore mon planning par semaine. Donc là, quand je vous fais la voix off, ça y est, j'ai repris cette semaine. Lundi, j'ai fait un petit truc. Mardi, j'ai fait un autre petit truc, etc. Et donc là, j'avais vraiment le ménage total de ma maison à faire, global on va dire, sauf la chambre des enfants, tout ça, j'avais 2-3 petites pièces que j'ai pas fait, mais je veux dire, fallait tout que je fasse, et en vrai, ça m'a pris tout le dimanche, donc en plus de filmer, je vous dis, ça met 2 fois plus de temps, mais en plus, dans tous les cas, ça m'a flingué, entre guillemets, mon dimanche, parce que passer des journées entières à faire du ménage, je vous avoue que ça me saoule. Après j'avais pas grand chose à faire hein, ce dimanche là, mais c'est vrai que c'est un week-end, je préfère profiter, donc je préfère vraiment mon organisation du reste de l'année où je fais pièce par pièce et comme ça j'ai mon week-end pour moi uniquement et j'ai rien à penser et rien à faire niveau ménage. Après je vois déjà les commentaires un peu malveillants arriver, ouais mais vous êtes deux, nananin, ton mari il fait rien, parce que j'en ai déjà eu, alors déjà de une, là le but de ma vidéo c'est de vous motiver, donc c'est de me filmer en train de faire le ménage et tout ça, forcément je veux pas filmer mon mari, hein. Je pense pas qu'il ait trop envie que je le filme en train de faire du ménage, et de deux, je sais pas si on se rend compte mais dans une maison, il y a tellement de choses à faire, surtout dans une famille tout court, même avec des enfants, il y a beaucoup de choses à faire, et même si mon mari, admettons, ne faisait pas le ménage, chose qui est fausse, hein, parce que mon mari, il débarrasse tous les jours, c'est lui qui débarrasse la table le soir, qui reste en bas pendant que moi je vais m'occuper un peu des enfants, il fait plus à manger que moi, on a un grand jardin, moi je ne mets jamais un pied dans le jardin, limite, pour faire quoi que ce soit, parce que j'ai pas du tout la main verte et que c'est pas mon truc, on a des travaux dans la maison, je ne fais pas les travaux, enfin vous voyez, on a vraiment notre équilibre, c'est vraiment du 50-50 chez nous. Donc effectivement, même si mon mari, dans tous les cas, il fait moins de ménage que moi, à côté de ça, il y a tellement de choses à faire que, en fait, j'ai pas l'impression d'en faire plus que lui. Après, d'ordre général, c'est vrai qu'une femme va penser à un peu plus de choses qu'un homme concernant les enfants et tout ça, je trouve, hein, c'est mon point de vue perso, mais c'est vrai que notre charge mentale est un peu plus élevée. Point de vue répartition des tâches, forcément, en vidéo, ça va ressortir que j'en fais beaucoup dans la maison et tout ça, mais après, vous n'êtes pas dans la vie des gens, vous savez pas comment tout se répartit et tout ça. J'ai rarement des commentaires malveillants, mais c'est vrai que c'est arrivé et qu'en fait, je me dis, mais je sais pas, je crois que les gens, ils se rendent pas compte. Dans une maison, il n'y a pas que faire du ménage, quoi. Il y a tellement de choses à côté, surtout dans une famille, quand on a des enfants et tout ça. Dites-moi votre point de vue, vous, ça m'intéresse en fait de savoir qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Moi, je suis complètement ouverte si vous pensez totalement l'opposé de moi. Il n'y a aucun souci, mais j'aimerais bien avoir votre point de vue. Bref, revenons à nos moutons. Donc je passe au nettoyage de mes petites commodes avec le produit multi-usage de chez Everdrop. Donc celui-là, c'est ce que je vous disais, c'est mon produit phare, c'est celui que j'utilise de partout, dans toutes les pièces. Je le dégaine à chaque fois pour nettoyer quoi que ce soit et il nettoie vraiment super bien. Et là, c'est l'endroit où j'accueille les bébés, où vraiment bah, ils se mettent debout, ils jouent, etc. Et ça craint rien quand ils jouent. Ils peuvent ensuite mettre les doigts à la bouche. Il n'y a aucun produit néfaste pour eux. Never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back while I'm on a one way.
Et je réinstalle les petits jeux pour le lendemain pour que ce soit accueillant et que ça leur donne surtout envie de jouer. Et je termine les poussières de l'autre côté du salon. J'ai profité que mon nettoyant salle de bain soit vide pour vous filmer une reconstitution et vous montrer à quel point c'est simple. Vous avez juste à mettre un petit peu d'eau tiède ou chaude, ça dépend. Tout est noté derrière en fait et vous avez juste à suivre ce qu'il y a de marqué. Ensuite, vous mettez la poudre et vous secouez. Et voilà, c'est prêt à l'usage. Il y a juste le produit WC qu'il faut laisser une demi-heure, le temps qu'il se transforme vraiment en gel. C'est très très simple à faire et l'avantage aussi, c'est que ça prend vraiment pas de place. Vous avez juste un petit panier avec tous vos produits. Et voilà, donc c'est un gain de place assuré. Donc comme je vous le mettais au début de la vidéo, vous avez toujours 10% avec mon code JUNILA10. Et ce code-là, il est valable tout le temps. C'est-à-dire que c'est pas juste pour la première commande. Et vous avez aussi un système d'abonnement qui vous permet de recevoir vos recharges en temps et en heure pour jamais tomber en rade. Le nettoyant salle de bain, il va vraiment se focaliser sur le calcaire et vous allez voir au niveau de mon robinet, il va ressortir tout brillant, tout propre. Vous le laissez agir quelques minutes, vous frottez comme un nettoyant lambda, j'ai envie de dire. Et après, c'est nickel. Et au niveau de l'odeur, c'est pas fort, ça n'a pas une odeur de vinaigre hyper prononcée et tout ça. C'est des produits avec des odeurs légères. Pour des produits naturels, moi j'aime bien. Parce que c'est vrai, ce qui me dérangeait quand je faisais mon ménage avec le vinaigre blanc, c'est que ça sent très fort. Et là, pas du tout. C'est vraiment subtil. Et c'est agréable. Et surtout, c'est pas comme les produits chimiques qui vous prennent à la gorge. Généralement, les produits de salle de bain, en plus, ils sentent toujours super fort parce qu'ils sont contre le calcaire, la crasse, les machins, les trucs. Et ça sent super fort et ça fait mal au nez, mal à la gorge, tout ça. Là, pas du tout. Je viens même nettoyer mon plan de change avec. Franchement, il était pas sale parce que cette semaine j'ai eu que des grands, donc je l'ai pas utilisé, mais je passe un petit coup voilà par dessus parce que ça fait pas de mal, ça retire la petite poussière et tout ça. Mais d'habitude j'utilise vraiment un produit désinfectant de toute façon quand je fais un change. Ensuite je viens nettoyer mon miroir. J'en profite aussi pour faire celui de mon entrée. Je vais passer à ma dernière pièce, à ma salle, n'importe quoi, à ma cuisine. Et on change pas une équipe qui gagne, forcément. J'utilise le produit, le nettoyant cuisine de chez Everdrop qui est vert. Et je viens nettoyer toute ma cuisine avec. Voilà, que ce soit ma crédence, mes plaques, mon évier, mon plan de travail. Il fait tout, tout, tout.
Là, j'utilise mon produit à vide pour vraiment que ça laisse pas de traces. C'est ce que je fais aussi sur le micro-ondes, tout ça. Je vous dis, moi, le produit à vide, c'est un indispensable chez moi. Je sais pas chez vous, mais moi, j'aime trop l'utiliser. J'avais un peu de vaisselle à faire. Bon, j'ai pas nettoyé mon évier en entier parce que je savais que, vu que j'allais répartir sur la semaine qui commençait dès le lendemain, je savais que mon évier, j'allais le nettoyer dans pas longtemps. Donc, je l'ai pas fait avec l'huile, tout ça. J'ai attendu la semaine et j'ai juste nettoyé un petit peu avec le gel nettoyant pour nettoyer l'intérieur quand même. Je viens ensuite nettoyer tout ce qui est façade de la cuisine et sur mes deux autres meubles. Mon fils, il avait déjà commencé le matin. Vous allez dire, elle exploite son fils, la meuf. Mais non, pas du tout. En fait, c'est juste qu'il veut tout le temps aider et c'est trop bien. Donc, en fait, je lui donne des petites tâches. Et moi, ça m'avance de ouf dans la maison. Et lui, ça le valorise. Donc, voilà, moi, je suis contente. Pour le nettoyage du Thermomix, sous les conseils de ma conseillère, moi c'est toujours au vinaigre blanc et ça nettoie super bien et ça le fait briller et tout ça. Donc il n'y a pas besoin d'utiliser de produits spécial, tout ça, non, juste vinaigre blanc et hop, il est tout clean. Le nettoyage de la cuisine est terminé, ça fait un bien fou. J'ai presque terminé mon ménage, les filles. Alors allez, c'est pareil chez vous, on lâche rien. Oui, il me restait quand même un petit morceau de mur à nettoyer. Vous voyez les traces noires là en dessous. J'ai pris mon éponge magique, pour essayer de les retirer. Ensuite, j'ai mis du spray Pink Stuff parce qu'elle voulait pas partir. C'est des traces noires que je fais à chaque fois avec mon trépied. Quand je l'attrape pour le bouger, à chaque fois il frotte contre ce mur. Donc là, il faut que je fasse un peu plus attention. Et mon chéri m'a tellement vu galérer et tout machin. Il m'a dit vas-y, laisse tomber, je vais mettre un coup de peinture. Donc après, j'ai lâché l'affaire, mais ça avait déjà quand même pas mal retiré de traces.
Ensuite, je suis venue dégainer mon Tineco, c'est mon chouchou, clairement. Il aspire et il lave en même temps. Et ça, un aspirateur laveur, je pourrais plus m'en passer. Franchement, c'est quand on a une grande surface comme chez moi, c'est trop la vie. Donc là, j'ai nettoyé partout le bas de ma maison. Et l'avantage aussi, en tout cas sur ce modèle, c'est qu'il a un programme automatique et il détecte les endroits où c'est plus sale ou moins sale. Et du coup, il va plus frotter ou plus mettre d'eau dans les parties qui sont sales. Et les parties qui sont moins sales, forcément, il en met un petit peu moins. Et l'avantage, c'est que votre sol, il sèche assez rapidement. Et dernière tâche et pas des moindres, je vais plier ma lessive qui a séché tranquillement au soleil. Alors ça, je laisse jamais s'accumuler, je vous le dis tout le temps, mais dès que j'ai une lessive sèche, hop, je plie et je vais ranger derrière. Et là, je m'étais mis l'émission à la télé, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, cleaning machin, là, je crois que c'est sur la 11. Je regarde jamais cette émission, enfin c'est rare du moins, mais là, quand je vois les maisons quand même des gens, c'est un truc de ouf. Alors là, c'était sur quelqu'un qui avait le syndrome de Diogène. Là, c'est les gens qui accumulent, qui jettent jamais. Donc ça fait un peu de peine, quoi. Mais il y en a, franchement, c'est hallucinant. J'espère que cette vidéo vous aura motivé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça m'aide pour l'algorithme et tout ça. Donc je vous en remercie d'avance. Et on se voit dimanche prochain pour la future vidéo. Bye!